Oh là 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 là, si. Oh, vous êtes là. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, banger comme vous le savez, avec Myriam. Aujourd'hui, on va manger Bleu VS Multicolore. Mais seulement dans les emballages. Une fois qu'il y aura un emballage qui est bleu ou multicolore, on a le droit de le manger. Ça va être une masterclass. T'as bien bleu, je suis habillé en multicolore. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait au moins deux couleurs pour Myriam, les gars. Oui. Oh non, pas lui. Ah, vous allez faire un challenge sans moi. Myriam, t'as 30 secondes pour aller dans la cuisine et faire le petit déjeuner. C'est parti. Est-ce que tu es prête? Oui. Notre vie est entre tes mains, Myriam. 3, 2, 1. Go, 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 go. Okay. Allez, Myriam va choisir des accessoires bleus et multicolores. Oh, la dinguerie Kinder Ini. Regardez les gars, tu vois, on a Kinder. Vas-y, bombarde, 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 bombarde. Ensuite, on a des petits paquets. On a des oh, mais il y en a presque plus. Mais tu me respectes pas juste parce que c'est bleu. Frigo, 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 frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, les gars? Est-ce qu'il y a des bons trucs pour nous? Attention. Il y a ça en bleu. Ok. Il y a un cappuccino. Oh, un café. Après, il y a. Oh, Kinder. Et des Actimel, je les vois d'ici. Actimel. Oh, il y a un petit Suisse. Carré. Donc, les gars, regardez. Il y a des trucs bleus, des trucs multicolores. C'est impeccable. Là, c'est mon dernier espoir, les gars. J'espère qu'il y aura des bons trucs. Wow, il y a des proustis. Mais wesh, c'est quoi? C'est un magasin, la boîte, frère. J'ai vraiment bien géré pour une fois. Aujourd'hui, je me sens fort. Franchement, hein. Myriam, je te serre la main. On va bien manger ce matin. Écoutez la toute nouveauté de la vidéo. C'est les Kinder comme ça, les Kinderini. Je savais même pas que ça existait, Myriam. Et on a trouvé du café froid. À la base, les gens, ils boivent ça avec du café chaud, mais bon. Arrête, je vois pas de quoi tu parles, Myriam. En tout cas, les gars, regardez mon coin bleu. Myriam m'a respecté. Elle a tout blindé. C'est une dinguerie. Vu que c'est toi qui étais dans la cuisine, je te laisse commencer. Café froid, les amis. Ah, en fait, ça a vraiment la texture du café, frère. Oh. Ah, ils sont trop mignons, c'est un bonhomme genre. Mais je pense que ça, Myriam, ça serait avec du café. Okay, trempe-le dedans. D'abord, je vais boire le café. Bismillah. Café froid, c'est comment? En vrai, de vrai, il y a beaucoup de sucre dedans. Ça veut dire que t'as pas le goût amer et tout. Café froid, c'est aussi bon, hein. Genre pour l'été, c'est incroyable. Mais nous, on veut voir le combo magique, Myriam. Le combo. Est-ce que c'est aussi bon que beau, les amis? Est-ce que voir si dedans il y a de la crème? Ça, ça peut être des nouveaux gâteaux pour vous avant d'aller à l'école. Ça, c'est bon. Ce sera jamais avant d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller à l'école, on n'a pas le temps de tremper, de manger. On doit aller vite. Je mets une note de 10 sur 10, c'est trop validé. Ensuite, on va passer. Quoi, les petits Suisses? Ça, c'est pas quand t'es en prison, tu manges ça? Les petits Suisses, c'est sous-côté. Tout le monde croit que c'est pas bon, mais en vrai de vrai, c'est incroyable. Mais comment tu manges ça? Fais voir. Il y a une procédure. Déjà, vous devez le retourner. Je l'ai mal fait, mais c'est trop satisfaisant. Et genre, tu mets pas de sucre dessus? Non, pas croquer comme ça comme des malades. Tu vas faire que les murs, déjà tu vas manger que les murs. Parce qu'il faut bien rentabiliser ton petit Suisse, hein. Eh, hey, t'es une malade mentale du petit Suisse, ouais. Ah, alléluia. Le truc, vous savez quoi? Raffaello, chocolat blanc, noix de coco et amandes. Mais maman, elle va tuer cette petite boîte de chocolat. Faut que tu prennes vraiment que un carré, sinon t'es finito. Ouvre le propre main, sinon on va griller qu'on a mangé. Ça, c'est mes parents, ils aiment trop manger ça en regardant un film. Mais Myriam, calme-toi. Non, non, papa et maman, ils vont griller. Non, Myriam, ouais, je... Oh, regardez la dinguerie. Oh, il a l'air incroyable. Pas bon, ça a pas le goût du Raffaello, ça a le goût du chocolat blanc pourri. À mon tour de manger, les amis, on a des gâteaux plutôt incroyables qui donnent le diabète et qui font grossir, mais c'est pas grave, c'est la vidéo, on rigole. Là, les petits gâteaux, pas de patrouille. Est-ce que vous regardez ça quand vous étiez petit, vous? Pas de patrouille, pas de patrouille. Ça a l'air d'être des Kinder. C'est comme des Kinder, Myriam, regarde. Non, mais c'est tout petit, ça se voit, c'est pour les bébés cadeaux. On va regarder à l'intérieur. En fait, toi, t'as voulu me donner le diabète, j'ai capté. Wow. Oh. Attention, le joueur français qui s'élance, qui saute, qui atterrit. Alors, contreusement dans le café. Frappe. Et le but. Il est trop trop bon, les gars. La crème blanche à l'intérieur, elle refait le gâteau. Ensuite, vu qu'on a mangé un truc sucré, on va manger un petit yaourt, les amis. Parce que ça, c'est pas un yaourt comme les autres. C'est un yaourt à la myrtille. Pas de cuillère, donc je vais manger avec mon doigt. Je suis désolé. Devant. Oh, c'est la haine. Personne. C'est absolument. Vraiment, c'est éclaté au sol. Je sais pas qui peut manger ça. Vraiment des malades mentales, ceux qui achètent ça dans la vraie vie. Vous êtes vraiment fous. Les amis, quand t'as ça dans ton frigo, c'est toujours chez ta grand-mère. Chez toi, t'en as jamais. Tu peux m'en laisser. Quand tu vas chez ta grand-mère, tu veux que je t'en laisse? Ouais. Je vais être sympa aujourd'hui et généreux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au magasin pour acheter les repas du midi. Oh, parce que j'ai envie de choisir ce que j'ai envie de prendre et je vais t'exploser. Ça doit être ça. C'est parti. Pour le repas du midi, vu que c'est l'été avec Younes, on hésite en fait entre ça et ça. Parce que là, tu vois, c'est des bonnes glaces à l'eau pour l'été que tu manges dans ton jardin et tout. Et ça, c'est des petits pots. Avant, mon père, il m'en achetait tout le temps. J'en mangeais deux par jour et tout. C'est incroyable. En vrai, de vrai, mon choix, il est vite fait. C'est les petits pots. Pour ma part, j'ai trouvé une glace aux Smarties. La boîte est complètement bleue. Et une glace mystère. À l'intérieur, il y a de la vanille. Ça a l'air d'être incroyable. Donc là, je pense que pour le glacé, on est vraiment pas mal. Les gars, le bleu, ça me fait trop penser à la mer quand tu vas en vacances. Du coup, je suis obligé. J'ai pris du poisson. Je vais tester. Peut-être que c'est super bon. Parce que Cristiano Ronaldo la mange beaucoup. Et là, un bon petit sandwich bleu. En vrai, là, au niveau mer, vacances, et les gars, on est hyper bien. J'ai décidé de prendre des halal pockets. Mais ça, c'est. Il y a plusieurs coups. Attends, violet, noir, rouge. Tu vas prendre lequel? Les deux, ils sont bons. Tu m'as conseillé lequel, toi? Moi, les gars, j'aurais conseillé le dinde fromage. Au niveau des sauces,
Younes, il est un peu dégoûté parce qu'il a pas de sauce bleue. Les gars, il y a vraiment aucune sauce bleue, regardez, mais tout est rouge. Pour ma part, il y a des sauces comme ça. Oh, il y a la sauce curry du grec. Bah ouais, je précise, ici il y a du vert, du rouge et là il y a du jaune. Vas-y, on prend la sauce curry. Les gars, on n'arrête pas de marcher et comme par hasard, je me retrouve devant du bleu et c'est du thon. Tout à l'heure, je parlais de la mer, mais je vais me transformer en poisson si je mange que du poisson. Myriam, j'ai enfin trouvé une boisson bleue, regarde, viens voir. Regardez tout en bas, il y a la oasis tropicale et l'emballage il est bleu. Mais je crois que je vais t'en piquer une, non, parce que c'est multicolore aussi. Non, non, c'est pas mieux, c'est bien bleu, regarde, arrête, c'est pas multicolore. N'importe quoi, tu triches, Myriam. Je suis trop contente, je vais tester pour la première fois de ma vie du pulque au citronnade. Ouais, mais c'est quoi ce nouveau goût là? Il y a du citron, de la framboise, tu penses ça va être un banger? En vrai, je pense ça peut être un banger. En plus, c'est rose, il y a du vert, il y a du jaune, il y a toutes les couleurs, donc en vrai, c'est carré. J'ai trouvé des super chips, les gars, bien bleu, goût nature. Et moi, j'ai trouvé des chips bleu, violet, en multicolore pour les bonbons. Vous savez que j'ai une grande fan des bonbons, j'ai trouvé les Scooby-Doo typiques, c'est les meilleurs. En plus, il y a plein de goûts, regardez, elle, c'est trop abusé. Elle a même ceux-là, elle a ceux-là. En fait, tu peux prendre tout le rayon des bonbons. Ouais, il y a même les. Non, je rigole, c'est bon, calme-toi quand même. Pour le repas du midi, on va voir qui de Myriam ou de Younes a fait le meilleur repas. Ils avaient budget illimité, c'est incroyable. Présentez-moi vos repas. Eh, mais attends, t'as un maillot bleu, c'est-à-dire que t'es pour Younes? Non, je vais pas tricher. Ok, pour la boisson, déjà, on a du pulque rose, c'est une nouvelle boisson. C'est jamais, ça a jamais été testé. Pour les bonbons, des Scooby-Doo qui piquent. Après, on a des pochettes Hellel. Pour les glaces, des petits pots, des chips au barbecue et de la sauce curry. Franchement, c'est pas mal. Tu sais que je suis un peu bizarre, mais je vais commencer par les Pringles. On va commencer par les Pringles du Texas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, barbecue, ouais. Texas, c'est. Oh là 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 là, Myriam! Ça, ça va faire moins 0,5 sur sa note pour la paix. Donc, quand c'est ça, ça veut dire que ça pique. Bon, on va goûter. Bismillah. Franchement, les chips, je vous dis la vérité, c'est un peu original, Texas goût barbecue, un peu multicolore orange jaune. Je pense que ça peut être une masterclass. Ça a le goût du barbecue mélangé à la margarita. Ah ouais? Ça dit, c'est trop bon. Maintenant, on va goûter la boisson pulque. Oh, pour se désaltérer, en plus, il fait trop chaud en ce moment. Ça fait du bien quand ça passe par la gorge là. Bon, ça, c'est une nouvelle boisson, j'ai pas goûté, donc j'espère que c'est bon. Citron, framboise. En tout cas, la boisson, elle est super belle, elle est rose, ça donne trop envie de la boire. Elle est un petit peu acidulée, tu vois, on sent pas trop le goût de la framboise, on sent plus le goût du citron. Tu fais quoi? Tu vas où? Et qu'est-ce que tu fais, Myriam? Mais c'est dégueulasse, cette boisson devrait être interdite à la vente! J'en ai marre, ils vendent toujours des poissons bizarres! On la reprend parce que c'est interdit le gaspillage, et là ça fait comme du shampoing, mais c'est pas bon! Faut toujours se méfier des boissons roses chimiques bizarres, là c'est sûr que ça allait être un goût bizarre. Ça a un goût chimique! Bon, maintenant on va goûter le pocket. C'est ultra chaud. Ça, normalement, c'est une valeur sûre, ça a toujours été bon. Il y a. Bah, c'est une valeur sûre. Tu mets une note de combien sur 10 à ça? 10 sur 10, c'est une valeur sûre. On va maintenant passer. Ah, mais t'as pas testé la sauce curry? Ça, tu vois ça? Sinon, c'est une valeur sûre aussi, y'a pas besoin de la tester. Les Scooby-Doo qui piquent. Par contre, y'a un problème. C'est censé être un repas de midi. On a des bonbons, on a des glaces, on a une pizza, on a une sauce. Hein. Tu trouves pas qu'il y a un problème dans ce que t'as fait là, ta composition? Non. Honneur à Younes. Des bonbons dans un repas de midi. Honneur à Younes. Ouais, j'avoue, c'est bleu. Ah, mais je pourrais l'en passer. Les bonbons, c'est les Scooby-Doo, valeur sûre, achetez-les, c'est incroyable. Alors, les petits pots, par contre, je me souviens quand on était petit, mon père, il nous en a acheté souvent des petits pots comme ça. Franchement, je vous dis la vérité, c'est les glaces de la Hesse. C'est les glaces de la Hesse. Ça fait plaisir de les revoir parce que ça me rappelle mon enfance. Pourquoi, quand je parle et que je parle de glace, je bégaye parce que j'ai froid? Où est ma cuillère? On va pouvoir tester ça en mode. Je pense que c'est chocolat. Il y a une règle. On doit prendre la vanille et le chocolat. En plus, il fait chaud. La glace, ça fait du bien, ça désaltère, ça rafraîchit. Ah, personne peut ne pas l'aimer. Vraiment. Pour une fois dans un 24 heures couleur, Yacine, je pense avoir gagné. Regarde tous les aliments qu'il y a sur ma table. Des petits desserts pour se rafraîchir avec un gâteau des Smarties. Des chips. On a le côté équilibré. T'as dit que c'est un repas du midi, Yacine. Nos mamans nous ont toujours dit de manger du poisson ou de la viande. Regarde, c'est un truc de pique-nique, ça. Non, et regarde, on a des sandwichs. Et Yacine, regarde les boissons. J'ai trouvé de l'eau bleue. Maintenant, t'as quoi à dire? C'est de la popo. Franchement, je vous dis la vérité, Myriam. Je suis désolé, mais Younes, il a beaucoup plus de produits. Ça donne plus envie. Non, c'est de la popo, les gars, la popo de Fortnite. Donc, les amis, nous allons commencer par le moins bon. La mer, le bleu, vous connaissez. Si il mangeait ça tout le temps, Ronaldo, c'est vraiment que ça fait devenir fort. Qu'est-ce qu'il fait? C'est dégueulasse! Ronaldo, pourquoi tu manges ça? Tu papilles au palin? T'as carrément donné envie de mettre la tête dans le palier de basket. Je pensais que ma tête, c'était devenu un ballon de basket. On va se rafraîchir avec le salé, on continue, les gars. Les petits sandwichs, ça c'est qui mange ça? Je vais voir si tu connais. Je sais pas. Le frère à Sofiane, Omar! Omar, le saumon et lui, c'est une histoire d'amour! Oui, c'est vrai. Regardez, là, c'est pas les sandwichs de la Hesse. Hein. Regarde des petits points comme ça. Mate là pour bien dormir. Mais est-ce que c'est bon? C'est ce que nous allons voir. Bismillah. Et ça, le truc qui est incroyable, c'est que ça glisse dans la gorge, tu vois, c'est pas sec, ça. Ah oui. Je comprends pourquoi Omar, il kiffe le saumon. C'est vraiment délicieux. Moi, j'adore, j'ai fini mon petit pot. Et ça me donne envie de taper. Regarde, Yacine, c'est mystère. On sait pas, c'est le coffre. C'est un coffre de Fortnite, on va l'ouvrir. On va voir si dedans, il y a une Scar. Soit à tous les coups c'est bon, soit c'est éclaté. A votre avis, est-ce que c'est un gâteau maxi ou alors 4 petits gâteaux? Moi je pense que c'est un gâteau. 4 petits gâteaux. C'est des petits gâteaux? On va voir comment ça se présente. Wow. Les gars, c'est comme quand on voit un coffre dans Fortnite. Wow, c'est le coffre légendaire de Fortnite. On m'apporte une fourchette. Allons, on va l'ouvrir. Wow. Y'a quoi à l'intérieur? C'est quoi qui est mystérieux? Wow. Mais y'a rien. Moi je vois pas. Bismillah.
Y'a rien de si mystérieux. Vous savez c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que Yacine, tu sais, quand on allait acheter des gâteaux d'anniversaire, le blanc à la vanille. Ah, le praliné. Là, le praliné. Je savais, ça se voit, c'est praliné c'est en glace. C'est exactement le gâteau d'anniversaire, le praliné en ça glace. Je suis obligé de te faire goûter, Myriam, parce que t'es ma petite sœur et je veux que tu prennes du plaisir aussi. Je rigole. Oh mmh. Oh, Myriam, t'as trop le seum. Waouh. On enchaîne. Avec, là par contre, je vais vraiment la laisser goûter parce que les glaces Smarties. Alors ça, Yacine, si t'es vraiment un poche. J'en ai jamais goûté de ma vie des glaces Smarties. Tu te rappelles pas qu'on était petit, le camion de glace? Oui, mais moi, j'en ai... mais j'en ai jamais pris, moi. Ah ouais, c'était 2,50€, on n'avait pas assez. Et toi, tu prenais quoi à la place? Des glaces à l'eau. Normalement, si je me rappelle bien, j'étais sûr, il y a le petit truc. Tu te rappelles, Yacine? C'était incroyable. Regardez, les gars, ici, on a un petit pot orange et en fait, on tape vers le haut et la glace, elle monte. Je vais te laisser goûter en première. Oh, merci beaucoup. T'as un seul croc. Wesh, mais t'as pris toute ma glace là, mon rey. Est-ce que la glace, elle est grande? Elle est incroyable. En plus, avec cette chaleur, le bon sucre, la bonne vanille. Je monte encore plus. Je monte encore plus. Tiens, pour toi. Le plaisir. Il a tout pris. Wallah, c'est le plaisir. Est-ce que la glace, elle est grande ou c'est de l'arnaque? En vrai, est-ce que tu penses que c'est de l'arnaque, il n'y a que ça? Non, moi je pense que c'est pas de l'arnaque. En vrai, cette glace-là, je vous dis la vérité, c'est la glace que nous, on n'a jamais pu avoir quand on était petit, mais elle est incroyable. Elle est bonne, mais elle se finit très rapidement. Vous avez vu, en trois crocs, il n'y avait plus rien. C'est de l'arnaque. Pourquoi c'est de l'arnaque? Regardez, ils disent qu'il y a des Smarties, des petites comme ça. Ouais, par là. Contre, c'est vrai, il n'y avait que trois Smarties dans la glace. Non, ils disent qu'il y a des petits vermicelles là sur le côté de la glace, à la vanille, il n'y en a pas. C'est des gros mythos. Pour le repas du midi, nous n'avons pas un vainqueur, mais nous avons une humiliation, je suis désolé. Malheureusement, Myriam s'est fait humilier par Younes. Younes est le grand vainqueur du midi. Merci, pour une fois dans un 24 heures, je gagne le trophée du meilleur. Merci beaucoup, Yacine, ça fait plaisir. Moi, là, c'est un abonné. Je pense en vrai, je pense qu'il la cadre. Elle passe. En attaquant, c'est pas un gardien. Oh, il a mis un pétard, il a tenté le pétard. En vrai, de vrai, un pétard un tout petit peu plus fort, ça passe. D'ailleurs, Yacine, il a pas des mains de fer comme c'est pas une. Hey, regarde, s'il te plaît, va regarder. Franchement, le premier but, il a été tiré par Mini Neymar. Va pas la chercher. Maintenant, les gars, on va inverser. Ouais. Il n'y a pas assez de grands dans l'équipe. Non, mais... Regardez ce que j'ai trouvé, mais c'est incroyable. Ils ont fait un burger bleu. Ah. Oh, c'est quoi cette masterclass? Je pensais que ce soir, ça allait être le ramadan. Mais finalement, on va commander chez Quick le burger bleu. Par contre, il y a quoi dedans? Du steak, fromage fondu, tomate. Mais c'est quoi? Il y a du pain bleu, sauce bleue. Vas-y les gars, on commence, on va voir ce que c'est. Mon burger bleu est arrivé, c'est une dinguerie les gars. Pour la première fois de ma vie, je vais tester un burger bleu. Merci Myriam de m'avoir donné l'idée. Eh mais attends, tu crois vraiment que tu vas manger comme ça? Laisse-moi déballer mon burger toi. Vas-y, déballe, mais tu vas pas me trouver. Les gens, ils ouvrent normalement, toi t'es là, tu déchires le papier. Eh, j'ai pas triché, vous avez vu, pour la première fois de ma vie, j'ai pris que un seul burger. On va le découvrir les amis, est-ce qu'il est vraiment bleu? Ça existe pas un burger bleu. Oh lolo, il est vraiment... Wesh. Mais il est pas bleu. Ah mais regardez, ça a collé. Ah. Avec la chaleur, comme il fait super chaud, c'est l'été. Ah. Oh là, on va taper un méga croc. Ah. Je suis content, vous voyez ma voix de fille. Je suis trop content. Bah attends, tu vas pas manger comme ça. Là, je t'ai fait un baccalauréat. Si tu trouves pas, c'est moi qui mange. Quoi? Ouais, vas-y. Ok. Fast food en B, un burger. Un bon burger, les gars. Regardez la tête qu'il a. On dirait qu'il est malade. On dirait qu'il a le Covid. Mais c'est quoi ce truc de ouf? Équipe de foot en B. En équipe de foot, tu vas mettre Barcelone. Barcelone, FC Barcelone, c'est carré. En joueur de foot, faut que vous m'aidez. Ah, je sais, en joueur de foot, je vais mettre qui? Barcola. T'as vu le misken, celui qui joue à Paris et qui a pas joué pendant la France. Mais Myriam, j'ai trop peur. Regardez, les gars. Ah là. C'est la dessert en B. Un dessert en B, on va manger une banane glacée. Oh. Ça, c'est une dinguerie, banane glacée. Du coup, tu valides ou pas? Banane glacée, en vrai de vrai, je valide le burger. Yeah! Le baccalauréat. On dirait calamar dans Bob l'éponge. Deux secondes, avant de faire ma réaction, je passe l'éponge parce que la table, elle est un peu sale. Voilà. Et où le burger? Il est là, le burger, frère. C'est ça? C'est le pire burger de tout. Mais c'est pas... Mais quoi? Oh. Quick, vous devez nous envoyer un mail et nous renvoyer des burgers. Je vais dire quelque chose, c'est très très grave. Quick, je vous promets, hein, d'habitude vos burgers ils sont masterclass. Mais là ça c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut faire quelque chose. Faut envoyer au moins 20 burgers gratuits. Au moins. Ah mais je vais pas manger une éponge les frères. En plus Quick, ce qui est bien c'est que la sauce normalement elle est très généreuse. Regardez, je peux même pas l'ouvrir. Mais c'est un carnage ce burger. C'est un carnage, on dirait c'est toi qui l'as fait Myriam. C'est une blague j'espère. Bon allez, bismillah, on va goûter. Moi, je suis dans mieux l'éponge. Que ça. Dis la vraie vérité, hein. c'est pas bon. On va pas te juger, t'inquiète. Je suis dégoûté. Wallah, c'est une bonne idée. Le fromage, il est bon. La viande, elle est bonne. Mais oh, l'éponge, mais c'est quoi ça? C'est un non-respect, Quick.
En fait, ils ont voulu faire bleu, blanc, rouge. Non, mais là, c'est pas bleu, blanc, rouge, c'est caca rouge. Je suis désolé. On va mettre la note de 3 sur 10. C'est horrible. Très gentil encore, 3 sur 10. C'est horrible. Maintenant, on va passer à ta bouche. À la suivie. En plus, vu que j'ai multicolore, je peux prendre vraiment tout ce que je veux. Même l'emballage, il est multicolore. Oh, c'est incroyable. Mais je crois, Yasmine, il t'appelle, faut que t'ailles le voir. Oh non. Elle a vraiment cru qu'elle avait mangé comme ça, Myriam, baccalauréat, tu dois tout trouver, sinon Younes, il mange. Tu dois faire la lettre M, vu que toi, c'est multicolore. Ok. Un fast-food en M. Un fast-food en M. Big M. Quoi, Big M? Ben non, c'est un B. Fais attention, je vais manger ta graille, je vais manger ta graille. Margarita. Oh là là, la grave de la chance, écrit bien Margarita. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, pour l'instant? À manger. Pourquoi tu fais jamais les challenges avec nous? Parce que moi, je peux pas manger ce que je veux. Et tu peux manger... Ah, tu manges des gâteaux, t'as le droit, les gâteaux? Ouais. Madrid. Ok, Madrid, c'est bon, c'est carré les gars pour Madrid. Tu dois trouver un joueur de foot en M. Marquinhos. Ok, Marquinhos, regarde comment elle a écrit Marquinhos. Et à votre avis, une madeleine. Oh, bon, t'as le droit de manger le dernier repas de la vidéo. Chérie, c'est le baccalauréat, du coup je peux manger. Aïe, 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 t'as pris quoi? J'espère que c'est multicolore, si c'est pas multicolore, Myriam, je le mange. Je le mange là, surtout que c'est le dernier repas de la vidéo. Chia, déjà on a une serviette multicolore. Petite déjà. Serviette. Chamastakos n'a pas fini de te régaler, t'as pris Chamastakos. Oh la dinguerie. Petite multicolore, il y a grave des. Fais voir, fais voir, fais voir. On va voir les gars s'il y a. Attends, il y a quoi? Il y a du rose, du. C'est du porc ça? Oh, c'est halal. Par contre, ils ont pas de fourchette ni de cuillère. Ah frère, c'est un fast food. Tu manges avec tes mains les fast food. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là 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 là. Myriam, elle va manger ça à la main, à la bonne franquette. Ah, c'est chaud. C'est chaud? Ouais. Bismillah. Les gars, ça s'appelle une poutine. Normalement, les frères, c'est incroyable. Il y a du fromage, des tenders, des frites. Ça, il m'étouffe. Wesh. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne au stade. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Accélération, virgule, petit pont. Frappe! Younes, arrête! Oh là là. Vas-y! Lui, c'est grave. Faire grave attention avec lui. Tiens, je prends sa poignée. Carrément, je prends même un peu plus et je mange. Par contre, tu manges avec tes doigts, vraiment ça, hein, c'est dégoûtant. Et alors? Erk, va ramener une fourchette, je sais pas, manger avec un balai, mais avec tes doigts, c'est dégoûtant. Bah, c'est mieux de manger avec mes doigts qu'avec un balai. On va pas assez. Mais c'est pas fini? Non. C'est une dinguerie ce que t'as fait. Attends. La boîte, elle est trop stylée. Ah, ils t'ont dessiné sur la boîte, ils t'ont dessiné. La boîte, elle est multicolore. Vous découvrez avant moi. Ok, les amis. Y a qu'une couleur là. Là, il y a qu'une couleur vraiment. Il y a qu'une couleur là. Il y en a deux. Il y a du rose là, tu vois. Là, il y a du marron. Là, il y a du beige. Là, il y a du rose. Tu vois, il y a plein de couleurs. Déjà, on va le découper en deux. C'est la hesse, il n'y a pas de couteau. Oh là là, mais ils ont mis des Kellogg's au-dessus du tacos ou quoi? Pas des Kellogg's, c'est des oignons crispés. Waouh, aïe, 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 comment ça donne envie, les amis. Oh la dinguerie. Ok, on va prendre ce côté. Elle va mettre un méchant croc. Oh là 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 là, les gars, ça me donne vraiment envie derrière mon écran. Je suis désolé ceux qui sont chez eux à 4h du matin en train de regarder, ou alors à 15h et il n'y a rien à manger dans votre maison. Oh my god, je suis désolé. Je vous plains, il n'y a rien à manger, vous regardez ça, je vous plains. C'est pour toutes les personnes qui sont devant leur écran et qui ont trop faim, bah regardez ceci. Vous allez faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais me dis pas qu'elle va mettre de la poutine. Oh là là, il y a le boss qui est arrivé. M'appelez même pas. Genre t'allais manger ça. Wow. Elle a fait. Yacine, t'as pas un message pour ceux qui regardent la vidéo qui a rien à manger chez eux? Eh franchement, il y en a plein qui me dit arrêtez vos vidéos sur les grecs et les pizzas et trucs. Notre seigneur nous a autorisé la bonne nourriture. Laissez-nous tranquille, c'est bon? Voilà. Fais-toi plaisir Myriam. Et on mange pas ça tous les jours. Et en plus on mange. Rigole, on mange ça tous les jours et on aime bien. Mais même, on a le droit, faut arrêter de. Ramène, viens, je l'ordonne. Faut arrêter d'interdire ce qui est autorisé. Dieu nous a autorisé des choses, on a le droit de les faire, on les fait, c'est tout. Waouh, incroyable. C'est quoi le meilleur? C'est la poutine ou c'est le tacos? Les deux, ils sont incroyables. Ah ouais, une note de 1 à 10 à la poutine? 1000. Et si tu les réunis ensemble? 2000. 1 million. 1 million, waouh. 1 milliard de millions. En plus, ça vient de chez Chamastakos. Chamas. C'est ça, Chamastakos, les amis, un des meilleurs tacos qu'on peut trouver. Et Chamas tous les autres. Mais Younes, tu fais quoi? Les gars, moi, je préfère faire du sport pour éliminer tout ce qu'on a mangé durant cette journée. N'oubliez pas de mettre un gros like. Abonnez-vous, regardez la masterclass que je vais faire. Je jongle et je la mets dans le panier de basket. 2, 3, panier. Waouh.